Malgré la forte pluie qui s'est abattue ce jeudi sur Kinshasa, les femmes rénovatrices de l'URR ont pris d'assaut le siège du parti pour participer à la matinée de réflexion organisée par la coordination de fédération URR Kinshasa dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Cette rencontre a permis aux rénovatrices d'échanger autour de l'apport de l'outil informatique dans l'épanouissement de la société. En présence des hauts cadres du parti, les femmes rénovatrices ont été appelées à maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'était la conscientisation de la femme sur le numérique. Les femmes ont été interpellées ici à apprendre tout sur le numérique. Chaque femme ici a appris comment elle doit prendre en charge sa famille financièrement à travers le numérique. Nous leur avons dit qu'aujourd'hui, avec le numérique, les femmes peuvent booster leur commerce, par exemple, elles peuvent booster leur savoir-faire. Occasion pour les femmes de l'URR de réitérer leur soutien au chef de l'État pour le respect du quota accordé à la femme au sein du gouvernement Sama II. Réunis dans le cadre de Jeudi politique, activité politique hebdomadaire conçue essentiellement dans le cadre de notre parti politique URR pour mettre en vedette et vulgariser vos réalisations depuis votre accession à la magistrature suprême. Nous serions comblés de voir votre très haute autorité, usée également aux très hautes fonctions de l'État, les femmes rénovatrices de l'Union pour le renouveau républicain, parti politique qui vous a accompagné dans la création de l'Union sacrée de la nation. L'URR de Georges Mukuna Luabing, qui accorde une place de choix aux femmes, se veut un cadre idéal qui favorise l'épanouissement de la femme à travers une série de formations dans plusieurs domaines. Pour clôturer en beauté cette cérémonie, des pagnes ont été distribuées à chaque femme autour d'un repas de cœur.